Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, il est 9h04, ouverture 10h04. Pardon, je suis encore à l'heure d'été, moi, où je vais aller savoir où je suis. En tout cas, on est en direct, on est en public, puisqu'on a nos premiers amis qui sont sur la zone, avec eh bien, deux acteurs que tout le monde connaît maintenant tout au long de l'année. Alors, honneur aux dames, hein, Nadia, bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, Nadia Chibouti, vous la connaissez, c'est l'architecte infatigable du village sur le territoire nantais. Si on n'avait pas Fabrice Joubert, qu'est-ce qu'on ferait ? Bonjour Fabrice Joubert. Bonjour Marc-Lionel, ravi d'être ici aujourd'hui et de te revoir. C'est un plaisir partagé. La famille du village francophone se réunit à l'initiative eh bien, de la Wallonie. On aura évidemment à 11h ici même un focus, une ouverture du village francophone. J'aperçois Laura Latour là, qui est en train de préparer l'ouverture. On ne va pas l'embêter. Les Wallons, on les aura à 11h quand la machine sera lancée. Mais c'est un véritable plaisir eh bien, d'accueillir cette délégation. On en reparlera pendant ces deux jours. Mais Fabrice, en quelques mots, le dispositif général qui va être mis en place pendant ces deux jours. Écoute, Marc-Lionel, donc, pour nous, c'est une première. Hein. On connaissait bien sûr Kik Namur de nom. On avait déjà eu une délégation nantaise qui était venue il y a quelques années. Et puis, cette année, on a fait le choix de venir avec une délégation avec multi-profils, qu'ils soient institutionnels, bien sûr, avec la présence de Francky Trichet, notre vice-président, qui sera présent aujourd'hui et demain, qui interviendra. Nous avons également l'école de design, avec Frédéric de Gouzon, des enseignants-chercheurs, Patrick Le Calais, qui pourra intervenir, et puis quelques entreprises qui sont ici présentes. Donc, on est à la fois ici. Alors, bien sûr, on a notre stand qui est en face, où on vient faire la promotion du territoire, et notamment sur le volet des industries créatives et culturelles, qui une de nos filières d'excellence du territoire. Et donc, bien sûr, un angle promotion du territoire. Et puis, on vient assister aux conférences, s'inspirer, écouter ce qui se fait. Et puis, c'est aussi peut-être faire un peu de business, hein, bien sûr, rencontrer des acteurs avec, pourquoi pas, des projets à Nantes et vice-versa, des acteurs nantais qui puissent avoir des projets avec d'autres territoires. Donc, voilà, sur ces quelques jours, comment ça va se passer. C'est une découverte. Hein, donc, sans doute que pour les prochaines éditions, on viendra plus nombreux et encore mieux organisés. C'est en last minute, mais en tout cas, on est ravis d'être présents pendant cette semaine. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice. Nadia, donc, dans le dispositif nantais, eh ben, c'est effectivement un gros travail de préparation. Le territoire de Nantes, il est vraiment toute l'année actif. On s'est croisé évidemment sur quelques temps forts, quelques éléments de calendrier, puis aussi un élément d'un bilan d'un événement qu'on n'a pas encore couvert, mais qu'on a suivi de près, notamment sur la propulsion vélique qui vient de se tenir à Nantes. Oui, alors plein de filières émergentes aussi sur le territoire. On se veut un territoire aussi pionnier hein, sur pas mal de secteurs d'activité. La propulsion vélique, c'est un sujet assez nouveau sur la filière du maritime. Donc, on a eu l'honneur de pouvoir représenter au niveau européen et positionner le territoire comme un territoire leader de cette filière. C'est ce qu'on va faire aussi cette semaine, positionner définitivement la créativité et l'audace à la nantaise sur une scène européenne et internationale. Donc, et tout ça bah, dans le cadre aussi du village francophone, évidemment, faire le lien avec le village. On est venu aussi ici parce que ça fait maintenant presque 18 mois qu'on échange entre territoires au sein du village francophone, la Wallonie avec Sophie Schmitt hein, du BEP que je salue si elle nous regarde. Évidemment, elle doit être dans le coin. Nous a poussé à venir aussi ici parce que voilà, le village francophone nous a permis de nous rencontrer même virtuellement, de continuer les échanges, de poursuivre les liens entre nous, entre territoires francophones. Et là, définitivement, la Wallonie, on peut le dire, nous a super bien accueillis cette semaine, nous a déroulé le tapis rouge. Donc, on est ravis d'être ici pour la créativité et puis pour la propulsion vélique dans d'autres événements à d'autres moments. Dans d'autres événements à d'autres moments, 53 événements sont désormais couverts hein, par le village francophone. Soit on s'y déplace, on est toujours heureux d'y être, soit eh bien, nos collectifs qui maintenant ont dépassé les 100 territoires connectés. J'aurai grand plaisir à vous parler prochainement des bases d'atterrissage de New York, de Las Vegas, où on a des équipes du village francophone, des dirigeants engagés. Donc, c'est vrai que c'est un véritable plaisir. Merci au territoire de Nantes, qui est vraiment fondateur hein, de tout ce qu'on a fait au Global Village et au village francophone. Et puis, on se retrouve toute la journée. Prochain grand rendez-vous, c'est à 11h pour l'ouverture officielle du Kik Festival. À tout de suite.